Ah que coucou les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Oui, je me suis trompée de scène. Hop. Zémis clique sur la mauvaise scène. Tac. Tac, tac, tac. Comment, qu'est-ce que ça va aujourd'hui? Hop. Hop, hop, hop. Vous avez vu, j'ai fait un effort, hein, j'ai mis de la musique et tout. Alors, il y a des trucs que je dois tester. Voir si ça marche, ce que j'ai fait. Alors, il y a ça. Maintenant, il faut nous écouter. Oula, ça va fort. Oula, ça va très fort. Attendez, je vais modifier ça parce que ça va trop fort. Annulé. Tac, 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 tac. Alors, ça, on va le mettre sur. On va le mettre en 70%, on va essayer. Tac. Save. Tac. Save. Le problème, c'est que ces trucs-là, les points de chaîne, on peut pas. On peut pas les tester. Merde, à chaque fois, il me change les trucs. Connard. On peut pas les tester hors live, c'est débile. Est-ce que c'est bon? Attends, on en a un. Ok. 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 Ah, celui-là encore. Save. Testas. Testation. Tac. Non, c'était pas ça. C'était ça. On en a gros. On en a gros! Oh putain, ça va encore trop fort. Encore beaucoup trop fort. Bon, on continue. Ok. Hop. Et celui-là. Ouais, je vous ai mis du Kaamelott. Hein. C'est sympa le Kaamelott. Tac. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Ça va encore fort, hein. C'est ouf, je l'ai mis à 30% là. Comment ça se fait que ça va aussi fort? Ça a pas changé le. Maintenant, il faut nous écouter. Ah mais ça change pas du tout en fait. Ça change pas du tout le. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça change pas la hauteur? Pourquoi? Hein? Hein? Pourquoi? Pourquoi ça change pas la hauteur? Faudra que je le change directement dans Audacity. Normalement c'est safe, mais je comprends pas. Bon bah écoutez, l'utilisez pas trop pour le moment. Je modifierai la hauteur pour la prochaine fois. Ok, allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Peut-être que je relance le live ou quoi, je sais pas. Écoute, on verra bien. Du coup. Paf. On a déjà 4 heures de jeu dessus. Salut, salut Night City, ravi de vous retrouver. Mon invité ce soir est le Oui, lieutenant t'as ta Sarah bouche, Kakoski, allez. porte-parole. Du coup, on avait fini l'introduction, visiblement. Salut. Ah, on a un mec. Tu vas bien? Oh, mieux que jamais. T'en as pas l'air.
On est un mec. Ah. Désolé, je peux pas te laisser passer. Bah pourquoi ? On se calme. Ah mais c'est machin ça. Merde, c'est quoi son nom encore lui ? C'est quoi son nom à ce con là ? Ah bah oui, évidemment, les miroirs, ils ne fonctionnent que quand ça les arrange. Bien sûr, tu planes. Prendre le microphone. Ok. Ce soir, je... Tu quoi ? Je suis venu vous dire au revoir à vous tous. Quoi, tu vas tirer dans le tas ? Ah non, tu vas jouer de la guitare. Ok. Je sais pas qui c'est, hein. Enfin, l'acteur, si, je sais plus son nom, mais voilà. C'est celui qui joue Neo. J'avais dit, hein, que c'était Matrix. Faut pas déconner avec l'argent. J'écoute. Vous gâchez vos vies à nous suivre comme des toutous. C'est quoi ton problème ? C'est on peut parler, là. Allez dehors. Bah allons dehors, hein. Coucou Pélagie. Johnny, attends. Alors c'est pas Johnny, c'est Neo. Tu peux encore changer d'avis. Quoi, tu veux que je lâche l'affaire? C'est marrant, ça m'étonne pas de toi. Et tu sais pourquoi? Parce que t'as toujours été une putain de mauviette, Kerry. Je vais te donner un petit conseil. De toi à moi. Trouve-toi des couilles. Quand c'est qu'il a allumé sa clope? Place au futur. Il l'avait pas en main tout à l'heure. Quand c'est qu'il a allumé sa clope? On l'a pas vu. Elle est faux raccord, là. T'avais plus de wifi? Ah merde. J'adore quand t'es en run comme ça. C'est super excitant. Silveren! Salut, Shaitan! C'est bon, on décolle! Tiens, mets ça! Il enlève pas, ok? Ok. Pourquoi on a changé de personnage? C'était déjà incompréhensible. On comprend encore moins. Pourquoi on joue Neo? Est-ce qu'il y a la fille aussi? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Liberty? Non. Je sais plus comment elle s'appelait. Les jetés sont en feu. Tout Pacifica a été bouclé. Il y a des blindés dans les rues de Watson. Les fils de pute! Oui, bah ça va les... Hein? Tu te calmes, monsieur. C'est nous? Les dommages collatéraux, ça fait partie du plan? On n'est pas chez les scouts, Thompson. Des fois, c'est éclabousse. Il se passe quoi, là? On attend la chute des failles? Moi je peux pas tirer, je peux rien faire. Et je vais me prendre des balles là où je suis. Hein. Bingo, j'en doutais. Je prends le relais. Ah bah voilà. Il est où le... On a autant de balles qu'on veut, ça c'est bien ça. Mode Verhoeven. C'est la guérilla, mon capitaine. Meurs. Allez, mourrez tous. Les crèves. C'est bon? N'a plus? J'ai l'impression qu'il n'en a plus, hein. On a tout tué. C'est bon!
C'est fini. Mais arrête de tourner en rond, il y a plus. Je vois plus de rouge. Faut que je Comment ça, faut que je saute? J'ai trouvé le point d'accès. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Johnny, tu te souviens du plan? Déposer la charge dans l'ascenseur, l'amorcer et laisser la gravité faire le reste. L'explosion secoue les fondations du bâtiment. La tour s'effondre, panique générale, hurlement, fin. D'accord. Pas très sympa. Tu peux ouvrir? Connecte. Ah. Dépêche-toi. L'herbe est verte, les oiseaux volent, les chats ronronnent, les rats ronjonnent. On n'a pas le temps de s'amuser, Murphy. Arrête. C'est pas ça qu'on dit. La merde d'évacuation. C'est les oiseaux chantent, le soleil. Non. Et après, on la vie est belle, les oiseaux chantent, le soleil brille. Brille, brille. Qui c'est qui a écrit ce manifeste? Dépêche-toi, te tire dessus. Bah putain, Johnny, t'es plus en phase avec la réalité. Et c'est une consolade comme moi qui le dit. Allez. Voilà, merci. Tiens-toi prêt. Laisse-en un peu pour moi. Amateur, prenez sa position. Merde. Allez, Néo, esquive les balles. Celle-là? Tu m'impressionnes, je suis sérieuse. C'est bon? Ah merde, je t'avais pas vu, toi. T'es caché, hein? Tiens. Meurf? Elle le traqua avec des gobelets, elle le traqua avec soin, le poursuivit avec des fourches et de l'espoir. Johnny, la charge! Quoi, la charge? Ben, j'ai pas... Ah, oui. Ouais, mais vous me dites c'était pas. C'était quoi aussi le nom de la bombe dans Bushido 2? Dépêche-toi! Il faut qu'on dégage! Le démolitron. La bombe est prête. Démolitron, je... Ah, c'est ça. C'est très... Il faut que je me barre où? Ah, faut que je tire sur les câbles. De quoi? Ce qu'il dit? C'est quoi qu'il dit? Ben oui, faut que je me barre, c'est ça. Tire sur le mécanisme de l'ascenseur. Ah, pardon. J'avais pas capté. Non. Ah, là au-dessus. J'avais pas compris, hein, madame. C'est bon, ouais. J'ai pas fini. On va mettre ça sur le sous-réseau. Pardon. Ça, c'est bon, c'est fini, Roven. C'était pas une histoire de colonialisme corporatiste, hein. C'est toujours pour ta groupie, c'est ça? Oh non, tu comprendrais pas, Rogue. Fais chier. T'as 4 minutes. Après ça, on se tire et tu te démerdes. Verrouillage de la porte désactivé. Les trous de balles d'Arasaka arrivent. Je t'adore, Spider. On m'adore. Tenez bon. Merde. On a besoin de smasher. Feu. Certes, je l'ai raté. Feu. Faut que j'apprenne à viser. Sans déconner. C'est grave. Je peux rien loot, hein, ici. C'est quand même très très nul. Il faut que j'aille là au-dessus. Ah, là, il y a des escaliers. Putain, même quand je suis sur lui, je le rate. Genre, je suis dessus et je le rate, genre. C'est un truc de ouf, hein. Je suis collé à lui. Oh là là. On là approche là du point d'accès. Catastrophe. Connecte-toi. Catastrophe. Je demande Veroven pour Laurent. C'est sympa, le brise-glace. C'est de l'impro. Ni elle ni moi, on ne sait pas comment faire si pour le mettre en live. Si seulement quelqu'un savait comment changer le protocole. Faut aller sur Twitch directement. Drôle. Tu vas m'aider ou pas? Tu vas sur Google. Ah, il suffisait de demander. Merci, Murphy. Et maintenant, pour la forme. Vous voulez bien vous taire, je parle. On passe à la télé. Nous tournons à présent vers la tour Arasaka en cours d'évacuation. Ils vont pas fermer leur bouche. Une terrible menace de la part d'une organisation terroriste non identifiée. Cette dernière affirme vouloir, je cite, renverser un symbole du colonialisme corporatiste. Mbole Ebunike, le maire de Night City, a déclaré que tous les moyens seraient mis en œuvre pour enrayer et éradiquer la menace terroriste.
Nous rejoignons on n'est pas des terroristes. Espérons qu'ils on est gentils, nous. Sur ces événements à mesure qu'ils tout se est déroulent. Paré. Bon, allez, cassos. Voilà, c'est bon, vous vous taisez. Mais taisez-vous, bordel. C'est insupportable, ce jeu. Ils arrêtent pas de parler. Donc je disais, tu vas sur Google, tu tapes Twitch, et bah le premier lien. Et normalement, ils vont te proposer d'installer l'application. Et puis, une fois que tu es sur l'application, tu vas dans recherche de chaîne et tu tapes mon pseudo, donc c'est J avec deux S. Et puis là, bah, y a un petit cœur, t'appuies sur... Je crois qu'il y avait une bombe. Aïe. Non, mais... Non, gentil, merde, sage. C'est Adam Smasher. Oh, une balle dans la tête, il a pas de casque. Johnny, Murphy. La porte est verrouillée, mais elle tiendra pas longtemps. Fonce, Johnny. Ah bon, il s'en est débarrassé tout seul. Bah, c'est très bien. Allez, hop. Allez. Elle va me lâcher. Elle va me lâcher. Elle m'a lâché. Smasher. Je te l'avais dit, Johnny Boy. Je t'avais dit que je te tuerais un jour. Mais on sait même pas qui c'est. On sait même pas ce qui c'est. On a changé de personnage. C'est quoi ce jeu? Sans blague. On jouait une femme. Oui, il a envie. Maintenant, on joue un homme, on joue Neo, genre, dans Matrix. Et... on sait pas. On sait pas. Oh, tu vas pas me frapper comme ça, toi. Tes associés, qui sont-ils? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic, un peu, hein? Allez! Aïe. À quelle organisation terroriste appartiens-tu? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Votre patron a pas l'air hyper content de votre travail. J'arrête pas de tousser depuis ce matin. Santé. Oh, excellent. Il en reste rien. Mon mari est mort dans cette tour. Oui. Je sais pas qui c'est, je m'en fous. Mais il y a des choses pires que la mort. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des aiguilles. Je veux pas ça. Enlève-moi ça. Ça faisait pas partie du plan. Naze kono yona koto. Pourquoi, ben, avez-vous fait ça? Je ne sais pas. Parce c'est bien que ça le problème. Quelqu'un doit mettre un terme à votre folie. Quoi, les morts? Tu vas me tuer? Eh ben, tue-moi. Shao a yuben daga, karera wa keshite uso o tsukanai. Shisha no kotoba ni wa tsutsumashi sa ga aru. C'est quoi, je suis censé être mort, c'est ça? Tueur d'âme près, début de transfert de... Ah bon, bon bah rip hein. Est-ce qu'on va récupérer notre personnage? Ça fait chier à le faire. Ah, on va être dans la simulation, c'est ça? Avec V, on va être dans sa tête à un moment donné. On est retourné au même endroit, mais en vue bizarre. Je veux bien aller voir l'inconnu, hein, mais s'ils n'arrêtent pas de se TP, je vais pas y arriver.
Toi. T'es qui ? C'est bon, on a récupéré V, j'ai l'impression. Ouais, c'est bon, on reconnaît ses ongles, c'est V. On était tapé à la décharge, c'est ça? Ils auraient pu s'assurer qu'on était mort. Avant de nous jeter dans une décharge. Un peu débile. C'est marrant, on a l'impression de se retrouver dans Detroit Become Human. Là aussi, on va devoir chercher des pièces. Ça va être encore long? Non, parce que juste appuyer sur Z, c'est très 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 relou. Il y a des gens qui arrivent. Mais je trouve que les épisodes comme ça d'attente sont hyper longs. Il se passe pas grand chose et c'est long. Comme s'ils avaient essayé de faire une durée de vie plus longue juste en rajoutant du blanc, du rien, tu vois. Ah, la vache, elle est lourde. Bon, écoute, mec, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on négocie. Arasaka-sama, Oto-sama no satsugai han wa mitsukemashita. Kono onna de machigai arimasen. Hi. 1時間後 には 着くかと. Aide-moi. Tais-toi. Hi. Le champ de vision est toujours hyper restreint, quoi. Kusso. Hidoi nioi da. Bah, j'étais dans une décharge en même temps, monsieur. Tu m'entends? J'ai besoin de toi! À part attendre et cliquer, on fait pas grand chose dans le jeu quand même. J'ai des doutes sur le fait que je vais le finir, je vous avoue que. Il est pas mieux comme arme parce que franchement c'est pas terrible. Et coucou Spara! Comment qu'il va, papy? Essayer de choper les peu. Hein. Bon. Cassez-vous. Booster ne durera pas de temps. Aïe. Accouche-toi. Pourquoi il a sauté cet abruti?
いい加減死ね。地獄に落ちろ。 En vélo, c'est inondé partout. Ah bon? Qu'est-ce que tu fous en vélo en même temps? Prends un bateau. C'est pas un kayak. C'est pas le moment de perdre connaissance. Ne ferme pas les yeux. Oh, merde. Il est pas mort, l'autre. Hein. Nous avons tous les deux besoin de soins. Tu connais un charcutoc de confiance? Un charcutoc. Toi, t'étais au Kanpeki Plaza. Nous devons aller voir un charcutoc. Vite. Victor, il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle quelqu'un. Qui tu veux? Oh, ok, c'est bon. Je mets le premier Bonjour. Truc à chaque fois. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Mystis, Esoterica. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Ah, elle ferme Sa les yeux. Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques, sous le muscle SCM. Si je me trompe et que je touche une veine, elle mourra. Certes, mais elle mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez la connecter. Vite, à l'intérieur. Je ne vais pas te tenir. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang? Non, c'est votre sang. Genre, il est blessé de partout, mais... Sa pression chute. Choc neurogénique. Nous la perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque de... Je connais les risques. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont essayé de meubler à mort, quoi. Encore là, ça dure des plombes pour rien. Juste t'attends, quoi. Comment elle va? Elle se remet moins vite que vous. Mais son état s'améliore. Pas terrible ce jeu. C'est de l'attente. Tu m'entends? Ma tête. Comment tu te sens? Je sais pas, avec... J'ai les oreilles qui sifflent. J'ai des visions. Ces hallucinations... Tu peux me les décrire? Des projecteurs... Beaucoup de bruit... Je suis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis remplie de... haine.
Et puis, je balance tout dans un micro. Mais je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagée. Après, ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour Arasaka. Non, il n'y a pas de quoi se marrer. Vous voyez quoi, Cosma ? Ah, ton vélo. Ok. Ils m'ont tué, Vic. J'ai jamais autant flippé. C'était trop réel. Ouais, après, il vient nous dire, ouais, en Bretagne, il fait beau, c'était pas machin. Rêve, ouais, ouais, c'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Tu veux dire que j'aurais vu les souvenirs d'une autre psyché ? Comment c'est possible ? Tous les deux, vous êtes connectés d'une manière que j'arrive pas à comprendre. Tous les deux ? Moi et qui, Vic ? C'est qui, l'autre ? Johnny Silverhand, un terroriste. Il a beaucoup fait parler de lui à l'époque. Ah, enfin, c'est pas le plus important pour le moment. C'est quoi alors ? La biopuce. C'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit, jusqu'au jour où tu disparaîtras. V, c'est important que tu comprennes bien. Tu vas arranger ça, hein, Vic ? Si je pouvais, je le ferais, V. Tu peux me croire. Mais ça, c'est... Ça dépasse de loin mes compétences. Y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider ? Tu veux la version longue ou abrégée ? Attends. T'es en train de me dire que je vais mourir ? C'est ça ? Pourquoi ? Quand Dex t'a tiré dessus, la balle a touché ton port neural et ton cerveau. La biopuce s'est ranimée et t'a court-circuité. Elle s'est mise à transférer des données dans ta tête. En ce qui la concerne, ton cerveau était un espace vide qui devait être rempli par l'engramme qu'elle transportait. Un espace vide ? Pourtant, je suis là. Tout ça, c'est moi ! L'éclat ne lit pas, il écrit. Ton mal de tête, c'est la biopuce qui redéfinit les connexions neuronales, et ça crée de nouvelles structures dans ton système nerveux tout en écrasant l'existant. Du point de vue de l'éclat, ce qu'il reste de toi, c'est comme une tumeur qu'il faut exciser. Vic, t'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... Qu'est-ce que je vais faire, putain ? Tu peux me le dire ? Vic ! Si seulement je le savais. Donc là, il pose les bases que, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va crever. C'est débile. À tout à l'heure, Spara. Tu lui en demandes trop. Vic n'est plus tout jeune. Viens, V. Je te ramène chez toi. Ça n'a aucun intérêt. Si dans tous les cas ton personnage il crève, c'est débile. Et il est mort. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir, c'est comme un aperçu de la mort, de l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillée ou pas, là. Après tout... Je suis peut-être déjà morte, non ? Tu devrais pas penser à ça, V. Détends-toi. Tiens. Est-ce que... J'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Tout, et puis... Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite.
Et puis, il devrait aussi calmer les ardeurs de ton invité. Ce dos en Dothrezine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus et libérer la bête, si tu veux. Faut que je m'allonge. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça fera un bon porte-bonheur. Tu me promets que tu vas essayer de dormir? Un ange, Misty. Merci. Bonne nuit, V. Fais de beaux rêves. Faut que je me tire d'ici, tu m'entends? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Donc en fait, le type est dans notre tête. On a Neo qui est dans notre tête. Très bien. Je m'appelle Neo parce que je sais plus le nom de l'acteur. Hey, il me faut une clope. Où tu planques ton paquet? D'où tu débarques comme ça? Et comment on veut se parler? Qu'est-ce que j'en sais, moi, putain? Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher? Putain, mais disparais! Il est dans ta tête, connasse. Quitte l'appartement. Ah. Pour qui tu bosses? Réponds-moi! Merde. Merde. Putain de puce. Attends, je vais l'arracher pour toi. Non, arrête! Oh. Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. Tu m'entends? Les traces sont super bien faites. Va te faire foutre, sale connard! Non, pas comme ça. Fous-toi un cracheur dans la gueule et presse la détente. Je peux les sentir, nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisi sur un fruit. Je t'envahis peu à peu. Je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends? Putain, je gerberais si je pouvais. Non, c'est juste une copie de mon engramme. Je suis forcément ailleurs, c'est obligé. Je vais te tuer! Eh ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Oh la vache!
Acte 2. Trouver à manger, ouvrir votre inventaire et enfiler vos vêtements. Quitter l'appartement, consulter des mails. Réserve de munitions. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme fringue? Est-ce qu'on a trouvé d'autres trucs depuis? De toute façon, est-ce que ça sert à grand chose? De toute façon, on voit que dalle. On voit pas notre perso, alors. Faire des réserves de munitions. Ouais. Et comment qu'on fait ça? D'accord. Ici Takemura. Il faut qu'on se voit. Rendez-vous chez Thomas Dyna. Et pourquoi j'accepterais? Parce que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. J'ai pas encore réussi à remettre mes idées en ordre. Après tout ce qui s'est passé. Tu n'y arriveras pas avant un moment. Et alors quoi? Si tu as l'intention de vivre, tu dois remonter sur le ring. La cloche a déjà sonné. Tom Zedina, j'attends. Ouais. Merde. Ah d'accord, là on peut avoir... Comment Arasaka va pouvoir rebondir? On s'en fout. Pour ce qu'on me donne et basta. Marie, on sait que t'es là. On voudrait t'aider. Vous avez même pas de mandat. Arrête tes conneries. On descend par où? On t'en depuis longtemps alors, on s'inquiète. Ok, super. Maintenant cassez-vous. C'est moi le méchant? C'est pas moi qui suis enfermé chez moi pour attirer l'attention. Il a perdu un ami à lui, faut le comprendre. C'est pas le premier ni le dernier, c'est la vie quoi. Il est où le machin? Ah, c'est par là que je dois aller. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'habite au-dessus. Retourne là-haut et mêle-toi de tes oignons. Mendez, attends, c'est une voisine. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ah, c'est au gars au-dessus. C'est, genre, c'est les personnes du dessus? Vite fait. On a discuté une fois ou deux. C'était un collègue à nous. Il a quitté la police il y a pas longtemps. Il a craqué après la mort de son meilleur ami. Hey, tu vas où? Je me casse. Hey, tu vas où? Il a craqué après la mort de son meilleur ami. Ah bordel, ami, sérieux? On a peur qu'il fasse une bêtise. Pour le camp, mène-toi. Détends-toi, Petrova. Merde
d'acier est barré. C'était au-dessus ? Mais pourquoi ? C'est tellement bien foutu que je sais absolument pas où je dois aller. Vous pourriez aller le voir une fois qu'il sera calmé ? Je sais pas où je dois aller, je suis bloqué. C'est de la merde. Là, il me met un point là, sauf que quand je vais là, après, il me dit de remonter, donc je comprends pas. Ah, ça y est, il m'a retrouvé. Mais sans déconner, quoi. Tellement bien indiqué. Et où c'est derrière ? Là. Je suis Harry Figbal et vous regardez WNS News. C'est un triste jour pour notre ville, avec le décès du maire Lucius Ryan. Nous avons appris la nouvelle par sa famille. Il est mort paisiblement dans son sommeil. La cause de son décès n'a pas été communiquée, mais les premiers rapports suggèrent une défaillance d'un plan coronarien. Oui, de la lumière. Le mandat du maire Ryan sera assuré par son associé. Non, parce que là, il me dit à l'étage, c'est quoi ça ? Ah non, c'est bon. Holt a d'ailleurs annoncé qu'il briguerait le poste de maire lors des prochaines élections. Aujourd'hui, nous pleurons tous la disparition de... Alors, tu peux parler des... Oh, la lumière du jour ! Ça reste sombre. Hein. On va y aller à pied, hein, parce qu'à chaque fois qu'on prend la voiture, on se fait tirer dessus. Ça me gonfle. Donc j'y vais à pied. Je t'en prie. Tu n'as pas l'air si mal en point. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste ? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn ? Pourquoi elle t'intéresse ? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai deux mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin, très loin d'ici. Tu viens de répondre toi-même à ta question. Evelyn doit être loin maintenant. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle pourrait t'aider à retirer la puce ? Elle est soutenue par une corporation ? C'est ce que je pense, ouais. Evelyn était bien renseignée sur la relique. Elle avait tout un tas d'infos classifiées. Elle est assez mystérieuse, mais elle avait ce côté sournois qu'on voit chez les agents corpaux. Tu vois le genre. J'ai aussi ce côté sournois dont tu parles. Tu t'es fait dégager comme une merde. Tu fais partie des parias maintenant, t'as déjà oublié ? La doubleuse, elle joue très mal. Hein. Tu sens que c'est forcé. Désolée de ne pas avoir pu t'aider. Mais, attends. J'ai pas de temps à perdre. J'ai besoin de toi. J'ai pas de temps. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice à Night City. Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Et toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'une merc ? Pour l'instant, sais-tu ce que j'ai ? De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Ils me traquent. Alors quoi ? On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier ? Qu'il a assassiné Saburo, son propre père. Il y aura une audience avec des personnes raisonnables, en terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges ? Non merci. Non merci. Très bien. Ça, alors résumons elle la me situation. Fume. Tu es mourante. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème.
C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Des personnes comme Anders Hellman, tu veux dire? Comment connais-tu ce nom? Un casse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. C'est un traître. Tu fais. Mais comment il se tient pour regarder la télé, lui? Je voudrais d'abord vous demander... Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Hey! J'étais en train d'écouter! Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corbeau. Qu'est-ce que tu as dit? T'as bien entendu. Laisse tomber, Takemura. Heureusement que ta copine est plus futée que toi. Il vient de péter, je l'ai entendu. Merci pour ton offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je te rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville? Pourquoi faire? J'ai besoin d'aide et c'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, on vient juste d'en mentionner. Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyn. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien, mais les voleurs n'en ont pas. Bah, va dire ça à Yorinobu Arasaka, hein? Cette femme, Parka, ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça je dois encore me friter avec Arasaka, eh ben je me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... Comment on dit dans votre langue? Il s'est... volatilisé. Pourquoi tu voulais trouver Hellman? C'est pénible, non? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il que ça gonfle ou... Il les connaissait bien tous les deux, et pourrait être un témoin capital. Les corpora parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu, un club appelé l'After Life. J'ai vite été congédié par leur reine des Fixas, Rogue. Mais on s'en fout! Elle t'a pris pour un costard? Non, elle m'a pris pour l'assassin de Saburo-sama. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles. Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le-moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Crasse et ravioles à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique, et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé. D'abord t'essayes de me buter, et maintenant tu veux qu'on soit potes? Genre tout va bien?
Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, sale con ! Hey, c'était pas facile pour moi non plus, hein ? Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. Perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi. Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueu. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'Afterlife. Y a pas de nous. Eh ben, c'est pas terrible, hein. Tu restes bloqué pendant 1000 ans à juste appuyer sur F, à attendre que ça se passe, quoi. Franchement, c'est pas agréable. Hein. Franchement, c'est pas agréable. Du tout. Hein. Du tout, du tout. Hein. Je pense qu'on fera un sondage. Je pense qu'on fera un sondage sur le Discord. Je pense que c'est la première fois que je tombe sur un jeu comme ça, où il y a une histoire et tout, où j'ai juste pas envie de jouer. Honnêtement, ça donne pas envie, en fait. Fais chier ! La vie est folle ! C'est comme la DSX ! Il y a pas d'intérêt en soi, parce que là, on t'a dit que de toute façon, t'allais crever, donc... Oui, c'est ça, klaxon. Le décor, ça donne pas envie de s'arrêter dessus non plus, parce que... Bah sans plus, quoi. Honnêtement, sans plus. C'est pas ouf. Enfin, moi, je trouve pas ça ouf. L'histoire, elle est pas ouf. Mon perso, il est dégueulasse. Enfin... Je suis désolée, mais il y a 15 ans, j'étais à faisait mieux, quoi. Tu veux que je te pète les dents? Ils ont mis 8 ans à développer ce machin-là. Ah putain. Et en plus, faut bien se dire un truc. Moi, je l'ai eu pour pas cher. Et encore, ça reste quand même cher pour ce que c'est. Mais avec le DLC, etc. Hé, hey, regarde ça. Il y en a pour 80, plus de 80 balles. Pour ça. Bah non, je suis désolée, non, c'est de l'arnaque. C'est de la merde. C'est quoi ce truc-là? Vise un peu ça. Tu le vois aussi, non? À quoi? Étrange graffiti ressemble à l'un des arcanes majeurs du tarot. Mais en plus, ça utilise plein de références que t'as pas. Soit mes fusibles. Il y a 40 milliards de personnages. Va voir telle personne, parle à telle personne, mais on les connaît même pas. Misty? Ça doit plutôt être un court-circuit neural dont Vic va devoir s'occuper. Mais je pourrais en parler aux deux. Enfin, c'est des persos qui sont pas introduits. Enfin, je sais pas. Il y a un problème avec ce jeu. Il y a un problème avec ce jeu. Vraiment. Hé ! Je t'ai pas déjà vu dans le coin ? J'ai une super mémoire des visages. On est fermé, désolé. Je dois parler à Evelyn Parker. Elle est pas là en ce moment. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas vue d'ailleurs. Tu sais où je peux la trouver? Je suis pas sa pote. Demande plutôt à Judy. Et elle est où, Judy? Dans son studio? Hein? Descends l'escalier.
Je vais prévenir Judy que t'arrives. Bah finalement, ils sont pas fermés. Ok. Wow, wow, redis-moi ça. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on le tabasse. Et si ça marche pas, je sais pas, sortir les flingues. Je m'en fous. Je veux juste récupérer ma piole. Ton bac t'as foutu dehors, c'est ça? Oh. Judy est encore en train de se ridiculer. Hé, hey, où tu crois aller comme ça? Y'a rien à voir ici. C'est bon. Ouais. C'est une faute de Judy. Arrête de m'envoyer tous les objets de plaisir que tu trouves. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'elle? Si tu t'en fais autant pour les paumer, va donc t'occuper de ton invité. Suze, on n'a pas terminé. Bien sûr que si, on a terminé. On passe à travers, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, t'as pas vu Evelyne? Je dois lui parler, c'est important. Pourquoi? Pour lui faire porter le chapeau pour ce casque t'as foiré en beauté? Tu pourrais répondre à ma question? J'essaie de trouver Evelyne, c'est tout ce que t'as besoin de savoir. Bah commence à chercher alors, bonne chance. Ok. Écoute, si tu sais pas où elle est, il suffit de me le dire. J'ai pas le temps de jouer avec toi là. Soit tu sais pas. Bon, ok, ça suffit. Dégage. Et tu sais quoi? Si ça t'intéresse tant que ça, t'as qu'à aller voir au Cloud. Et c'est où le Cloud? L'adresse est dans les tuyaux à cigarettes sur mon bureau. Prends-le et barre-toi. Mais quoi? Mais donne-moi l'adresse juste. Enfin, ça n'a pas de sens. Une méga tour. C'est le grand luxe. Elle a juste à me donner... Pourquoi aller voir dans... Enfin... Le Cloud? Quoi? Une maison de poupées. Quoi avec le Cloud? Je sais même pas ce que c'est. Evelyne est une habituée. Plutôt une employée. Evelyne, mon cul. Admets-le. T'es là pour les vertus de Judy, c'est ça? C'est où? 900 mètres. Putain. Et je sens que si je prends la voiture, je vais encore me faire... Bonjour, on m'appelle Enz. Monsieur Enz. Si tu cherches du boulot à Pacifica, c'est moi qu'il faut t'appeler. Moi, c'est V. Même pas un petit enchanté? Si tu y tiens. Enchanté de faire ta connaissance. Si tu veux faire affaire, tu connais mon numéro. Voilà, c'est des gens qui t'appellent comme ça, tu ne sais pas qui c'est. Ça te rajoute encore un personnage supplémentaire. Tu connais Lida Vidadan. Ça a vraiment ni queue ni tête, quoi. C'est... En plus, t'es obligé de tout taper à pied parce que dès que tu prends ta bagnole, tu te fais tirer dessus. C'est insupportable. C'est quoi ça? Oh, ouais, cassez-vous. C'était pas par là? Non, c'était par au-dessus parce qu'en plus, évidemment, les traits sont tellement bien faits que. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont après mon cul? Aïe. Je suis sur le passage pour piéton, cassez-vous. Ok. Faut sauter. Je vais mourir. Je croyais qu'il y avait de la flotte en dessous. Oh, écoute, on essaie de s'amuser comme on peut. Charger dernier point de contrôle. Oh non. Je suis de nouveau à 900 mètres, c'est ça? Je ne repop pas au même endroit. Bingo. Bon, on peut même pas faire les cons. On peut même pas faire les cons parce que c'est punitif.
Une maison de poupées. Tu peux même pas dire de faire l'imbécile et de faire n'importe quoi, parce que dès que tu crèves, tu reviens en arrière. C'est une employée. Insupportable. Tu peux même pas t'amuser, quoi. C'est un truc de ouf. Admets-le. T'es là pour les pire jeu ever, quoi. Mais vraiment pire jeu ever. Hein. Jamais vu ça, quoi. Et ça a quoi comme note 8 sur 10 non, mais... Bonjour, on m'appelle Enz. Les gens se contentent Monsieur de pas grand chose. Hein. Si tu cherches du boulot à Pacifica, c'est moi qu'il faut t'appeler. Moi c'est V. Même pas un petit enchanté. Si tu y tiens, enchanté de faire ta connaissance. Si tu veux faire affaire, tu connais mon numéro. Évidemment, je suis passé par le mauvais chemin, c'est ça, donc ça va me rallonger encore le. Ah non, ça tient. C'est un truc de ouf. Ça me fume. Je pense que pour le prochain live, on va changer de jeu, les gars. Je suis désolé, mais... J'ai pas spécialement envie de... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un qui m'a pris en chasse? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne fais que passer! Je marche! J'emmerde personne! Foutez-moi la paix! C'est quand même insupportable! Agression en cours, je m'en fous, je suis pas flic. Emmerdez-vous. Ah oh bah bingo. Sur son gueule. Je passe dans des zones, tu sais pas, tu. Vraiment de la merde. Oh des petits ronds rouges, dis donc, comme sur GTA. C'est pas un copier-coller mal fait. Non, bien sûr. C'est sûr que non. C'est pas du tout un copier mal fait de GTA, mais non. Pas du tout, voyons. Quelle idée. En plus, t'es obligé de faire tout le tour alors que le machin il est là à côté. Vous avez combien de temps? Une heure? Putain, j'en ai déjà marre. Ah, il fallait que j'aille au-dessus. Je peux pas aller par en bas. Là, il y a vraiment de la flotte en dessous ou pas? Est-ce qu'on peut nager dans le jeu? Oui, on peut nager dans le jeu. Alors l'eau est dégueu, mais en dessous elle est toute bleue. Hein. Comment t'expliques que l'eau au-dessus elle est brune et en dessous elle est bleue? Hein? Comment t'expliques ça? À part que c'est très mal fait. Pas très très bien fait. Les plantes, elles sont même pas dans le sol, quoi. Les plantes sont même pas dans le sol, quoi. C'était. Ah, je suis très critique. Je suis désolée, je suis très critique. Mais en même temps, un jeu pareil, je suis navrée. Mais il y a du foutage de gueule dans l'air. Hein. Regarde ses mains, elles sont même pas sur le... Regarde ses mains, le halo qui est autour. Je suis en full ultra. Hein. C'est pas comme si j'étais en graphisme low ou quoi. Hein. Regarde le contour de ses mains, quoi. C'est pas propre, c'est... Non, je suis désolée, il y a du foutage de gueule. Quand je vois les notes derrière, mais les gens, vous... Qui c'est qui donne ces notes-là? Regarde, c'est même pas flou, c'est pixelisé. Regarde ça, c'est tout pixelisé en face. Je répète, je suis en full ultra. Je suis au max de la qualité graphique. C'est honteux. Regarde comme c'est... Enfin, t'as pas l'impression d'être dans la flotte, quoi. Non. Là, comme ça, il y a quelques reflets qui sont sympas, mais... Regarde, l'eau ici, elle est coupée toute droite. C'est cubique. Non, je suis désolée, non. Non, c'est... Non. Oui, alors je suis passée par la flotte, c'est 10 milliards de fois plus long. Hein. Mais au moins, on a pu voir que c'était pas bien fait, que c'était dégueulasse. Et que ça vaut pas son prix, que ça vaut pas ses notes. Oui, ça fait un pas.
Qui c'est ? Wakako Okada, la dame du domaine de Westbrook. Passe me voir quand t'auras un moment. On doit régler nos comptes. Pour Sandra Dorset. Vous vous êtes bien débrouillé. Ton ami et toi. À plus tard. Ah pareil, on sait pas qui c'est. C'est encore un nouveau personnage qui est ajouté dans le truc. Ça t'appelle comme ça, tu sais pas d'où il a eu ton numéro. Enfin, d'où elle a eu ton numéro. Ah, bon. J'ai envie de dire. Est-ce qu'on va vraiment faire la prochaine mission ? Parce que là, on a déjà fait une bonne critique du jeu, je crois. Mais ! Je suis en train de traverser mon dessus. Putain. Non, parce que... D'accord, je passe au rouge, mais j'étais déjà franchement engagée sur la route. Donc pourquoi tu t'arrêtes pas, genre ? T'as le temps de t'arrêter, non, t'accélères pour me pêcher. Sans déconner. Comme les caisses, hein, les trois quarts, elles roulent. Enfin, je veux une voiture volante, moi. Je sais pas, on est en 2077 et genre t'as même pas de voiture volante. C'est quoi cette histoire ? Quel intérêt. Quoi, faut que je fasse le tour par l'extérieur, c'est ça ? Bah oui. La ville est dégueulasse. T'as des poubelles de partout. Ça va pas me dire qu'à cette époque-là où les humains sont à moitié androïdes, ils ont pas des robots pour nettoyer les rues. Enfin, tout est délabré, abîmé. C'est... Ouais. La Santa Muerte est à vos côtés. Ouais. Et puis au milieu, t'as des petits arbres, quoi. Mouais. C'est un mix entre futur et... J'ai beau essayer, je sais pas quoi. Et voilà, ça recommence. C'est facile de gueuler. Par contre, m'emmener ailleurs, c'est impossible, hein. Mais j'ai appelé, non ? Personne. À mon avis, ici, tu vas soit prendre ton pied, soit te prendre une bastos. Les paris sont ouverts. C'est où j'allais, Cloud ? Qu'est-ce que j'ai raté cette fois ? Éclaire-moi. Miss Danse Sensorielle nous cache quelque chose. C'est pas un hasard si on a déjà vu deux Tiger Claws. Ils doivent contrôler le bâtiment. Tu penses que tu dis ment ? Pourquoi ? Un truc appelé l'intuition, V. T'en as déjà entendu parler ? Ouais, en gros, tu dis que de la merde, quoi. Je comprends beaucoup mieux, là. J'hésite franchement à arrêter là. Faut le dire. Pourquoi là ? Il y a quoi là ? Genre c'est un... Ah oui, c'est parce que je vais y aller dans la soirée. Ah, ok. Ouais. J'hésite franchement à arrêter là et puis à choper plus un autre jeu de Quantic Dream. Vraiment parce que honnêtement c'est pas ça quoi. Honnêtement, c'est pas ça, quoi. Dégage-toi. Parce que Quantic Dream, il a fait d'autres jeux. Et je pense que ce sera plus intéressant que de continuer là-dessus, quoi. Parce que... Mais clairement, c'est... C'est plus une plaie qu'autre chose à jouer, quoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais tais-toi, par contre. Arrête-toi, voilà. Quantic Dream, où est-ce qu'il est ? Est-ce que j'ai foutu ça ?
Là. Est-ce qu'ils ont fait d'autres jeux? Il y a 3 autres jeux, je pense que c'est tous les 3 des narratifs aussi. Je me dis que ce sera plus sympa que cette merde, quoi. Désolé pour les développeurs, mais à un moment donné, arrêtez de vous foutre de la gueule des gens, quoi. Bon, celui-là à 30 balles, je le prendrai pas maintenant. Mais ouais, un de ces deux-là, peut-être. Peut-être un de ces deux-là. Donc, découvrez un thriller psychologique aux nombreux rebondissements. Vous êtes à la poursuite de tueurs aux origamis. Alternez entre 4 personnages différents, chacun avec ses propres pistes pour empêcher le tueur de faire une nouvelle victime. Et l'autre, c'est trailer psychologique unique et rempli d'action, mettant en scène les acteurs Elliot Page et Willem. Je ne connais pas. Vous embarquez dans une aventure passionnante à travers le monde en immersion dans l'incroyable vie de Jodie Holmes. C'est la fille de Sherlock Holmes? Je sais pas. Ça vous dirait plus ou pas? Je sais même pas s'il reste des gens sur le live, tellement c'est chiant comme jeu. Est-ce que vous êtes toujours en vie, les copains? Respect Pélagie. C'est à peu près tout. Il reste que Pélagie. Non, le jeu, il est pas ouf. Je vais vous mettre un sondage sur Discord. Et on va jouer à autre chose. On va jouer à autre chose mardi. Pas mardi. Lundi. Attendez, quand? On est samedi. Du coup, demain, je suis pas là. Et donc, ouais, lundi. On va faire un autre jeu lundi. Hein. Ce sera mieux. Parce que clairement là, Cyberpunk, non, j'arrive à stock là. J'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé. Hein. J'ai vraiment essayé, mais je n'aime pas du tout. Je le trouve nul, je le trouve chiant, je le trouve mal fait. Avec le personnage qui est... Rien que ton personnage, la voix de ton personnage principal, elle est insupportable, tellement elle joue mal. La doubleuse, je suis désolée, mais elle double très mal. Avec ses... En fin de phrase, là. Elle m'agace. Je peux pas jouer avec un personnage qui m'agace. Du coup, voilà. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, ouais, on va jouer à un des deux autres jeux. Je vous le mets sur Discord. Je vais vous mettre un petit sondage sur Discord dans les annonces. Et comme ça, vous voterez. Je le laisse jusqu'à demain et... jusqu'à demain, jusqu'à la... lundi matin. Et lundi matin, selon votre choix, je prendrai... voilà. Parce que ça me gonfle. j'ai plus envie. Je finirai peut-être un jour, hein, mais là, franchement, j'ai pas envie d'y jouer. Et si un jeu te donne pas envie d'y jouer, bah faut pas te forcer. Parce que c'est censé être amusant, un jeu. Pas censé te casser les pieds. Du coup, voilà, je vous fais des gros poutou-poutou. Merci pour ceux qui ont... Bah, merci à Pélagie d'avoir tenu bon. Même si, à mon avis, elle a laissé juste le live allumé et qu'elle n'écoute plus du tout. Et puis, je vous fais des gros poutous et puis je vous dis à lundi. À lundi, des gros poutou-poutou.